Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Diamond Painting. Youpi! Ah, voilà Fifi qui vient dire youpi aussi. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Elle faisait dodo. Elle faisait dodo. Bonjour, bonjour, bonjour les copains, les copines, maman. Oh là là. Oh, ça c'est un gros bail. C'est un gros babail. Bah oui, mais tu faisais dodo. Hein. Alors aujourd'hui, oui, Diamond Painting. Donc je continue le DP que j'ai commencé hein, de la boutique l'éternelle, donc la fée papillon. Petite précision pour ce DP, je vous ai marqué la dernière fois, je vous ai dit la dernière fois que vous pouviez le trouver dans la boutique l'éternelle, mais il n'y est plus, il est en rupture de stock, donc je suis désolée. Donc, bon, peut-être qu'ils remettront, hein, je ne sais pas. Mais pour l'instant, il est en rupture de stock. Donc, voilà. Bon, mais je vous remets le lien de la boutique en barre d'infos, comme d'habitude. Voilà, donc là, je suis arrivée déjà à la deuxième ligne. sinon, bah, là, j'avance assez vite. Surtout que là, il y a une grosse partie de noir. Et donc, j'avance en faisant des lignes de 6 perles d'un coup. 6 ou 3, ça dépend là où je suis, pour aller plus vite. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas très droit en faisant cette technique. Mais bon, en marchant vite, ça se verra pas. Voilà, je voulais faire avec comme ça, au lieu de faire du damier. Le damier, c'est pareil, c'est comme si on mettait une perle à la fois. Donc là, j'ai fait avec le gros côté de mon stylet. Et comme ça, j'avance plus vite. Voilà. Sinon, ben là, oui, du coup, j'avais fait hors caméra, donc j'avais terminé la première ligne. Et là, je vous ai fait un grand carré. Je n'ai pas fait un carré de 10-10, j'ai fait plus. J'ai fait 13-10, je crois, parce que ben, je ne peux pas faire 10-10-10. Ça ne tombe pas juste. Ça, la dernière est un peu plus grande, mais bon, voilà. Ça va? Là, tu as mangé 3 croquettes et elle revient. Hein? Tu viens? Non? Tu viens pas? Si, elle vient. Sinon, bah, rien de neuf. Voilà, que du vieux. Je vais peut-être, si vous êtes sage. Alors, je vais voir si vous êtes sage. Alors, je sais que là, c'est les vacances. Qu'il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. Beaucoup sont partis en vacances. Alors, je ne sais pas si je vais le faire maintenant ou si j'attends septembre. Je réfléchis pour faire un concours. Voilà. Donc, dites-moi si vous voulez un concours maintenant ou si vous voulez un concours en septembre. Voilà. Je réfléchis, bon, pour que tout le monde puisse avoir sa chance. Mais je réfléchis. Voilà. bon, il n'y aura pas autant de gagnants que la dernière fois, hein, bien sûr. Mais je ferai un concours certainement pour 3 gagnants. Je vais penser à ça. Donc, dites-moi. Là, c'est vrai que bon, c'est le mois d'août.
Donc, je vais voir. Mais dites-moi en barre d'infos si vous pensez que vaut mieux que je puisse que je ah pff, un deux trois que je le fais maintenant ou alors si j'attends septembre. Voilà. Rien de nouveau pour l'instant. Voilà, j'attends encore un envoi pour une unboxing, donc j'espère que je pourrai vous le montrer cette semaine. Et puis voilà. Donc j'ai d'autres vidéos à vous mettre en ligne pour le coloriage. Hein. J'ai pas fini les montages. Je suis très en retard sur mes vidéos en ce moment. Parce que je m'occupe de finir mon triage d'atelier. Il n'est pas fini. Et du coup, ça me prend un peu de temps, tout ça. Voilà. Et du coup, ça me décale beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire en ce moment. Et du coup, mais je voudrais terminer mon triage rapidement aussi. Et voilà. Allez, je vais vous laisser regarder cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira, comme d'habitude. Et moi, je vais vous faire des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous, bon visionnage.